Papa Nyambri, bonjour. Bonjour, mon fils. Le samedi dernier, oui. Nous avons entendu, nous avons appris qu'il ne faut pas prendre de crédit avec un véritable homme de Dieu. Oui. On a suivi l'histoire de la jeune sœur qui est venue prendre crédit avec Papa Florian. Elle n'a pas pu rembourser ce crédit et on sait ce qui s'est passé après. Mais aujourd'hui, tu es là pour rembourser ce crédit. Tant bien même que ce n'est pas ta sœur, tu n'es pas parenté à elle, mais qu'est-ce qui t'amène à payer le crédit à la place de cette famille-là? Merci, Bishop Fulgence. Salis, j'ai pris. Ça m'a choqué. Qu'une personne meure pour 50 000 francs. Ce n'est pas une publicité que je fais. Mais je ne comprends pas ça. Et ça date depuis 2010. 2010. Et je ne peux pas comprendre. Donc il y a une idée qui m'est venue de payer cette dette. Ce n'est pas parce que j'ai quoi. Non, ça n'a rien à voir. Mais pour que l'âme de cette femme repose en paix. Repose en paix, c'est tout. Sinon, surtout qu'elle avait dit à sa famille de payer. Et ils n'ont pas payé. N'ont pas pu. Voilà. Moi, je voulais faire ça discrètement. Oui. Mais on me dit que comme ça a été annoncé devant le public, il faut que je fasse ça aussi. Où je suis là, ça me gêne de le dire. Mm-hmm. Mais bon, moi, je suis ce que vous me dites, c'est ce que je fais. Effectivement. Voilà. Parce que samedi, je suis venu voir payer. Oui. Il m'a dit que ouais, donc j'étais venu pouvoir payer et puis lui donner. Discrètement. Discrètement. Mais il m'a dit non, puisque ça a été annoncé devant le peuple de Dieu. Donc, fais-le pour qu'on voit que. Voilà. Pour qu'on voit que la famille était sauvée, rachetée. Voilà. Parce que le même problème peut tomber aussi sur les autres personnes de la même famille. Voilà. Ok, donc c'est cette famille que tu es venue racheter par le Dieu de Papa Florian. Voilà. Et c'est l'enveloppe que tu tiens en main. On va juste présenter l'enveloppe. Voilà. C'est l'enveloppe que tu tiens en main tout à l'heure. On va la remettre à l'homme de Dieu. Oui. Pour que son Dieu ait compassion non seulement de la dame qui a pris l'argent et aussi de sa famille qui n'a pas été capable de rembourser ce crédit. Merci encore pour le geste. Que ce Dieu-là continue de te visiter. Amen.